Parce que tout à l'heure, j'ai vu mon ami Vigon. Je peux vous raconter une petite... On a le temps, là, ou pas? Vous avez vu cet artiste Vigon, formidable, il chante du rythme et blues et tout. Figurez-vous qu'à dans mon périple, dans ma jeunesse, à 17 ans, je me suis retrouvé en prison. À la prison de Fresnes, à Paris, à cause de lui. Il ne le savait pas. On était avec des copains, on était sortis de la DAS un samedi soir, on avait la permission de minuit. J'avais pas tout à fait 17 ans, et comme c'était un peu loin le concert qu'il donnait, parce qu'on voulait aller le voir, on a emprunté une deux chevaux. Je dis bien emprunté. On n'a pas fait longue route, quelques kilomètres plus loin, à Athis-Mons, entre Athis-Mons et Villeneuve-Saint-Georges. On s'est fait gentiment serré par une petite voiture de policiers. Et je me suis retrouvé devant un juge d'instruction qui m'a mis 6 mois à Fresnes pour ça. Et c'est grâce à mon ami Vigon. Alors tout à l'heure, je l'ai embrassé bien fort. Et à chaque fois que je le vois, je raconte l'histoire. Et à chaque fois, il me dit, mais je m'excuse. Bon, alors, dénonceuse. Tu t'es cassé la gueule avec la voiture. Et la première fois que je t'ai vu, tu m'as dit... Pardon, je suis rentré dans une voiture de flic, c'est vrai. Excusez-moi. C'est vrai. Et c'est peut-être un peu pour ça que j'étais en tôle, d'ailleurs. C'est vrai. C'est de ma faute. Un petit peu. Disons que je me suis rattrapé plus tard parce que je t'ai vu au moins 10 fois en concert. C'est vrai. Et que t'es un formidable artiste. Et il est vraiment super, il est royal. Et enfin, Jean-Luc, attends, on va dire la trompette pour tout le monde qui vous fait faire. Allez, tenez. Un tonnerre d'applaudissements.